Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment bien préparer sa retraite. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préthaï, je suis l'auteur des deux livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, à ce sujet, si vous n'avez pas lu un de ces deux bouquins, je vous invite à les retrouver sur Amazon ou tout simplement dans la description, juste en bas, et vous allez pouvoir faire partie de ces nombreuses personnes qui ont pu me laisser de nombreux témoignages super intéressants sur les deux livres que j'ai écrits avec beaucoup de cœur. Donc les amis, aujourd'hui, nous allons voir comment préparer sa retraite. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas fait, à me laisser un petit pouce bleu et si vous voulez aller encore plus loin, vous avez aussi dans la description la possibilité de réserver votre appel stratégique 100% offert. C'est 20 minutes que vous allez passer avec moi au téléphone. Nous allons redéfinir ensemble votre stratégie pour justement vous aider à bien préparer votre retraite. Maintenant, comment faire? Alors, c'est vrai qu'actuellement, nous sommes dans un système qui est un peu incertain. Nous voyons que dès qu'il y a quelque chose d'un peu différent, ça se passe mal. Il y a de plus en plus de personnes qui manifestent dans les rues pour se dire c'est pas normal parce que l'âge de la retraite est tout le temps repoussé. Et ça se comprend. Pourquoi? Parce que les personnes ont travaillé dur et on leur a donné, on va dire, la petite carotte au bout du fil. Et cette carotte, quand on arrive tout près du but, on vous dit non, on va vous la donner dans 5 ans ou 6 ans plus tard. Et forcément, ça peut mettre vraiment les gens en colère et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent dans les rues parce qu'ils ne sont plus du tout en accord avec le système de l'État. Mais finalement, il y a d'autres façons de voir sa retraite. Et on le fait par le biais de l'investissement immobilier. L'investissement immobilier a déjà fait ses preuves et depuis beaucoup d'années. Donc je ne vais rien inventer, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. On a les besoins primaires et dans les besoins primaires, on l'a vu dans la pyramide de Maslow. On voit que tout au bas de la pyramide, il faut manger, boire, respirer. Mais maintenant, en petit 2 dans la pyramide, il faut se loger. Finalement, le besoin numéro 2, on le retrouve aussi mélangé au besoin numéro 1. Ça fait partie des éléments de base. On a besoin d'un toit pour être bien, pour se sentir bien et mettre ses proches aussi à l'abri. Et parce que c'est un besoin primaire, c'est un indicateur très intéressant. Ça veut dire que vous ne prenez pas beaucoup de risques en investissant dans l'immobilier. Ça veut dire aussi que vous répondez à un besoin qui est commun. Okay? Comme je vous l'ai dit, tout le monde a besoin de se loger et tout le monde a besoin de se nourrir. Partant de ce postulat, il va falloir bien faire les choses. Okay? Pour moi, j'aime bien prendre le parallèle avec la cuisine. Ce n'est pas parce que vous faites à manger chez vous que ça veut dire que vous êtes un bon cuisinier. C'est pareil dans l'immobilier. Malheureusement, aujourd'hui, les gens pensent qu'investir dans l'immobilier, c'est juste acheter un bien et ils se déclarent investisseurs. Dans les investissements immobiliers, il y a des choses à prendre en compte pour faire des investissements rentables. Et encore pire, si vous souhaitez préparer votre retraite, du moins préparer votre avenir. L'objectif, en tout cas, c'est d'avoir des biens qui s'autofinancent au minimum. Qu'est-ce que j'entends par qui s'autofinancent? C'est que quand vous achetez par exemple un immeuble, l'immeuble est censé s'autofinancer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé les charges que vous avez avec votre banquier, la taxe foncière et les différentes petites charges qu'il y a autour de cet immeuble, eh bien, vous n'avez rien à sortir de votre poche. Malheureusement, aujourd'hui, l'État fait l'apologie des investissements type Pinel. En fait, ce genre d'investissement, la plupart du temps, à 99% des cas, vous devez faire ce que j'appelle un effort d'épargne. Donc, pour pouvoir financer ce bien, vous achetez déjà un bien, en règle générale, qui est neuf. Okay.
Donc, vous le payez plus cher que ce que le marché propose. Et en plus, vous devez faire un effort d'épargne de peut-être 200, 300 euros, tout dépend du bien que vous avez acheté, pour pouvoir rembourser cet investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les mois, ben, vous vous appauvrissez, ok? Entre guillemets, bien évidemment. Vous appauvrissez puisque forcément, votre pouvoir d'achat diminue. Tout ça pour soi-disant payer moins d'impôts. Donc le plus important finalement les amis, c'est de se concentrer sur des biens qui sont tangibles, des biens qui vont vous rapporter soit du cash tous les mois ou tout simplement qui vont s'autofinancer au minimum. Alors je vous le souhaite vraiment, c'est d'avoir des biens qui vous rapportent du cash tous les mois. Pourquoi? Parce que simplement, il y a de la vacance locative, ça c'est inévitable, mais il y a aussi des petits travaux parfois à prévoir. Et si vous avez un bien qui vous rapporte du cash, ben, il va complètement s'autofinancer. C'est-à-dire que quand il va y avoir des petits travaux, ben, cet argent, vous allez pouvoir l'utiliser sans avoir à retirer un euro de votre poche. Donc, ce sont les locataires qui vont se charger de l'ensemble du bon fonctionnement de vos biens immobiliers. Moi, j'ai décidé d'investir dans les immeubles de rapport pour pouvoir aller plus vite. Effectivement, aujourd'hui, avec le HCSF, c'est un peu le haut conseil de la sécurité financière. Donc, c'est ce que j'appelle la banque, la police des banques. En gros, ils sont là pour réguler un peu le marché en disant, écoutez, maintenant, c'est 33% le taux d'endettement pour tout le monde et c'est comme ça. Et finalement, ça a posé problème à pas mal de personnes parce que, bah oui, effectivement, avec un seul bien, on peut atteindre son fameux taux d'endettement. Donc, c'est pour ça que je vous oriente vraiment vers des immeubles pour augmenter vos chances d'avoir plusieurs revenus, d'avoir un cash flow positif qui vous permettra en tout cas de préparer votre retraite en toute sérénité. L'objectif par la suite, bah, vous l'aurez compris, si vous achetez un immeuble, vous avez un minimum de 2 appartements et plus, évidemment. Et si vous avez bah, pour votre retraite à peu près 5, 6, 7 appartements ou même 2 appartements, bah, je pense que c'est plutôt pas mal pour pouvoir couvrir et assurer vos arrières. Voilà les amis, c'est une petite façon de bien préparer sa retraite. Évidemment, si vous investissez très bien dans l'immobilier, vous allez générer du cash. Par la suite, ce que je vous recommande, c'est de placer quelques billes dans l'or physique. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce système de retraite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut prendre sa retraite en main maintenant et ne pas attendre que l'État s'en charge? Encore une fois, je l'ai dit dans une de mes vidéos, l'État a fait une chose incroyable, c'est a fourni des masques de plongée à son personnel soignant pendant la pandémie. Donc partant de ce postulat, je pense qu'il faut qu'on prenne les choses en main. Si c'est une vidéo qui vous a plu, je vous invite à mettre un like, à la partager, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche et à réserver aussi votre appel stratégique qui est 100% offert. Les amis, maintenant, c'est à vous de jouer. Passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.